La limite du soleil, il se couche. À demain, bel astre. Et hop, dans l'ombre. Quel silence, quel silence. Je suis complètement seul ici, complètement seul. Il y a la cabane, je suis même pas sûr. On est le 16 octobre. On est le 16 octobre, je suis même pas sûr qu'elle soit encore ouverte. Bon, je vais descendre plus bas vers la langue de glace, un petit peu sur la bordure. On va faire le campement. Parce que maintenant, tout à coup, il va faire froid rapidos. Première décision, je vais pas trop m'aventurer en fait sur le glacier parce que je vois qu'il y a déjà des crevasses ici. Je le connais pas, il y a un tout petit peu de neige dessus et puis on a ici une belle casquette, hein, on voit des affaissements sur le bord. Je vais pas me lancer là-dessus. Et puis deuxième décision, ici je me disais, ah voilà parfait, le lieu de bivouac est juste ici, bien plat, mais en fait c'est une zone en fait qui de bord de moraine en fait qui s'effondre. Je ne vais pas non plus risquer que ça parte dans la nuit, hein, parce qu'on voit que c'est tout ce qui est foncé, c'est tout frais. Et puis il y a une ligne, il y a une fissure juste là. Donc ce bout pourrait partir à tout moment en fait. Comme on voit, hein, tout ça, par exemple ça, c'est frais, et puis c'est en train de casser. Voilà, donc je ne vais pas rester là. Je vais retourner un tout petit peu plus en dedans ici de la langue et puis je vais pouvoir tranquille faire mon bivouac.
6h30, il fait déjà 0 degré. Un peu de Vacherin Mont-d'Or avec un lyophilisé Décathlon. Ça décadre un petit peu, hein, ça va pas très bien ensemble, mais ce sera ça quand même. Et puis on va pas faire long, hein. Ça va pas être une soirée au coin du feu. Allez. C'est assez rare et impressionnant de voir un tourbillon de glace